Welcome back, Madame FTV Series, toujours en collaboration avec la Voix du Peuple. Là, invité en soi, Léo Zalaki, Madame Peggy Monalisa, avec qui tu parlais de religion. Et puis, Madame Ano, pour conclure un peu, parce qu'il y a tant de sous-minités, pour conclure un peu le message, qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion? En conclusion, c'est très simple, Monsieur Coco Harris. Nous avons besoin d'avoir une intimité personnelle avec Dieu. Intimité personnelle avec Dieu. Dieu doit nous connaître. Nous avons avoir cette intimité personnelle. Okay. Avoir cette confiance en Dieu. Avoir l'espoir. La Bible nous dit ceci, un dernier verset. C'est dans le livre de Josué 1, verset 8. La Bible nous dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ils ont dit que ce livre, ils n'ont pas dit qu'un pasteur, que ce livre, pour t'emmener à avoir cette intimité avec Dieu, c'est ce livre. Ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas les voitures, ce ne sont pas des enfants, ni le mariage, mais c'est ce livre. En conclusion, M. Coco Harris. Merci à toi, le message a été vraiment reçu. C'est un grand message, mais malheureusement, nous avons... Je crois qu'ils ont reçu le message. Madame, je ne sais pas, est-ce que vous avez un petit mot, Madame Monalisa Alobi? Ok, en conclusion, Madame Monalisa, vraiment, je te remercie pour le message et d'avoir appuyé aussi mon message. Je crois que chacun de nous a reçu sa part. Donc... Ce que j'allais vous dire, donc le travail que vous êtes en train de faire est biblique. Et biblique. Vous êtes en train d'arracher, livret. Le livret pour laisser le blé. Donc la Bible nous dit ceci, Jésus l'a bien dit, attendez jusqu'à la moisson. Donc vous avez attendu. Ouais. Pourquoi vous ne vous êtes pas manifesté? Il y a des églises qui existent depuis plus de 20 ans. Donc si nous arrêtons maintenant à arracher ce livret-là, cela veut dire que nous n'avons pas achevé notre travail. Non, pas du tout. Donc parce nous que devons Jésus, Christ avait dit à ses serviteurs... Ouais. Attendez jusqu'à la fin, jusqu'à la moisson. À la moisson. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Ok. Pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? Donc vous êtes en train d'arracher les mauvaises herbes, livrées, pour laisser le blé. Donc le travail que vous êtes en train de faire est biblique. Ok, vous merci. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'être des pasteurs, des évangélistes, pour parler de la part du Seigneur. Ok, merci. Vraiment, c'est vraiment profond. Oui, vous n'êtes pas obligé d'être des pasteurs. Si Dieu veut libérer un peuple ou agir dans la vie d'une personne, il utilisera même le diable pour aller parler de Mais nous ne sommes pas des diables. Non, j'ai dit, oui, bien sûr que non. Donc, vous êtes en nous ne sommes pas des diables. Qui est biblique. Right. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons. Merci, merci. Merci beaucoup, Madame Emmanuelis, en tout cas, pour le message. Deuxième chapitre, paragraphe, si on peut le parler ainsi, c'est on va parler un peu de la société. Hein. Société, Madame Anissa, on va parler avec Madame F et vous. Bien entendu. On va parler un peu congolité. Congolité. Ça veut dire quoi être congolais? Ça veut dire quoi être 100% congolais? 50% congolais? 25% congolais? 10% congolais? 5% congolais? Parce que, bah, je suis totalement père, il y a anglais, mais moi, j'ai mis les lots congolais. Mais ça, il y a 10% qui sont congolais. Donc, on voulait un peu parler avec l'invité dans la congolité. Qu'est-ce que ça veut dire être congolais? Et ça, vous allez congolais. Je commencerai d'abord par vous, Madame F. Congolité. Qu'est-ce que. Quand on vous dit congolité, être 100% congolais. Merci, M. Coco Harris. Donc, je ne veux pas trop parler aujourd'hui, parce qu'on a une invitée spéciale aujourd'hui sur notre plateau, c'est Madame Manolisa. Donc, elle aura plus de la parole que moi. Donc, on va essayer de répondre aux gens, parce qu'il y a un groupe de ces gens-là, un groupe, hein, on ne dit pas tout le monde, un groupe de ces gens-là,
qui essaye de... Un groupe d'individus. Alors, je vais que tu repasses la parole à Madame Mona Lisa, Madame, elle peut nous expliquer en bref. Tu peux nous donner ton idée un peu concernant un peu ce sujet-là. Parce que c'est très simple, M. Parce qu'elle, mon goût, ils ont moins ou moins trop. Alors, on voudrait un peu savoir un peu. On voudrait un peu savoir. C'est quoi au juste, quand on dit Congo 100%, ça veut dire quoi, Congo 100%? Bon, c'est très simple, M. Koukouaris. Quand on dit Congo 100%, ils ont moutons à botami de père et de mère congolais. Ouais. C'est simple. Ouais. Moutons à l'île 50-50, ils ont botami 50-50. Ouais. Ouazali 25-75, ils ont l'angle clair. Ils ont l'angle qui a été défendu. De toutes les façons, nous, ça se voit. Tout le monde dit qu'ils ont l'angle qui congolais 100%. Ou ils ont l'angle hydroquinonité. Ils ont l'angle du naturel. Donc, on a besoin de l'angle pour l'angle. On n'est pas venu défendre nos origines ici. Ils ont l'angle que nous ne sommes pas 100% congolais. Heureusement. Est-ce que ça est un sujet qui est un mot tabou ou bien un sujet qui est pour discriminer partout? Parce que vous avez 100%. Monsieur Koukouaris, ça c'est des faux débats. Ouais. Ce sont des débats qui sont aberrants, qui ne sont sans but. Ils ont un faux débat, ils ont un débat moko et le moment il y a 100 ans passé. Ouais. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui nous sommes tous nés au Congo. Ouais. Dans le lobby, Bato, Babotami, Bazali, Awa, les Congolais qui vous êtes ici, les combattants, monsieur, que tu es venu voir la basse à Mindele. Les lobos, les soi-disant Bozali, les combattants pour l'évolution, pour le bien-être du pays. Le changement. Le changement du pays. Bano, les lobos, les botana, les Mindele. Les lobos, ceux qui les lobos, Mboka, Bokena, Mboka. Bano, Baroke, les lobos, papa, la soie, Bondele, Mboka, Boka, Bana, voilà. Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est la discrimination. Simplement. Et ça n'a qu'à monter Mamabe. Parce que nous sommes nés au Congo, nous nous battons pour ce pays-là. Notre père qui a travaillé pendant plus de 4 décennies, il a créé des boulangeries, il a créé des scieries, à Kenati Nabakwanga, Nabakikiazi, là où il a travaillé, il a créé de l'emploi au Congo, il a donné du travail aux Congolais, et l'élo, Bolukako minimisé, Bolukako loba, ça c'est simplement la méchanceté. Et ce sont des faux débats qu'on risque. Nous ne pouvons pas en parler parce que c'est non, aberrant. Madame Mona Lisa, je vais en parler moi, parce que Eza, ce n'est pas tout le monde qui pense de la même façon. Groupe Wana et Toebi Batongo, Toebi Bino très bien. Merci. Donc Toebi Bino très bien. Donc, faites gaffe. Tu es bien, 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 tu es congolais, mais tu es bien, 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 tu es télévision, tu es bien, 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 qui se disent que nous allons gérer bâtir le Congo. C'est avec cet esprit-là que vous allez bâtir le Congo. Cet esprit de haine, de jalousie, de discrimination. Vous voyez un peu comme Mindele, vous voyez pas la Mindele. Mais ça, c'est que discrimination. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'hospitalité, c'est où? Où est l'hospitalité? Donnez-moi une minute. Non, non, nous sommes en train de parler, la Koukouaris. Laisse Madame Mona Lisa. Nous sommes en train de parler. Je vais parler. Madame Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Ouais, la française. La française, nommée depuis le 16 mai 2002. Taubira, Christine, vous évitez parce que vous êtes sous-informé. Parce que vous recherchez. Vous vous limitez au niveau de Facebook, vous faites un vous créez un faux profil pour vous dénigrer, pour étouffer mes salles. Mais vous n'allez pas très loin. Parce qu'il faut suivre les news. Il faut être actualisé. Christine, même elle fait quoi? Dis-nous avec Christine Taubira. Mais elle est de quelle nationalité? Pour devenir ministre. Elle est black. Ouais. Mais elle défend les intérêts de qui? De la France. Les Français l'ont voté parce pour ses compétences. C'est mais l'Italienne qui est l'ambassadrice de notre chère maman, Cécile Kiengé, de nationalité congolaise, s'il vous plaît, ministre de l'intégration en Italie.
Les ministres, les Italiens, bah, voter pour la, ouais. pour la couleur, je crois que c'était la première noire aussi. C'est la première noire ministre, et puis de nationalité congolaise. Bah, italien, bah, rejeté. Bah, italien, bah, juillet, bah, mindele, s'il vous plaît. Elle n'est même pas métissée, elle est black congolaise. Mais bah, juillet, pour ses compétences. Bah, on va l'ingi, bah, ta compétente. Bah, l'ingi, bouzoba. Oh, boko, ta baba, congo, tete. Toko, ta bouzoba, la binoté. Mais ma congo, ma kamba, congo, toza, la kate. Bouzoba, la binoté. Bouzoba, la binoté, la binoté. Là, vous avez par raison, mais ma kamba koko et kongo to kota. Obama a été élu deux mandats. Obama, Obama Zamundele. Vous criez partout que Obama, c'est un métis. Il est 50-50. Il n'est pas tout à fait blanc, il n'est pas tout à fait noir. Mais Bondimi était deuxième mandat. Pourquoi? À cause de ses compétences. Il a réduit le chômage aux États-Unis d'Amérique. Il a créé des emplois. C'est par rapport à ses compétences qu'il est aujourd'hui président de la République. Ce n'est pas par rapport à sa couleur de peau. Alors, avant de parler, avant d'ouvrir vos gueules pour parler, pour dire n'importe quoi, des discours incohérents, des faux débats, il faut d'abord vous instruire. Botalaba News Bolanda, notre maman Cécile King en Italie, elle est congolaise, mais Bandimi n'est pas italien. Christian Taubira, en France, ministre de la Justice. T'as la grade, mon aîné, ministre à justice. Est-ce que Bayebi, on va pas être content? Bayebi, nous sommes à la coupe, ça prend la bâton de Zanis Massica. Bayebi, t'as. Mais les gens, eux, quand même, Quand on vous fout la paix. Ils vont en voir savoir. Mais bien, on a besoin de l'ingana. Bon, l'ingana, il n'a pas tout, mais 50-50. Nous, au moins, on voit qu'on a la main. Manolissa, même président Ouazali Nakana, comment ça s'appelle? Thierry Rollins. Voilà, il a créé 300 000 Ghanéens sont rentrés au Ghana et ils ont travaillé. Bah, le moins, la diaspora. Un fils de blanc. Allez, Google, si vous n'êtes pas informé, la base, vous n'avez même pas Jerry Rawlings. C'était un président ghanéen. Il a travaillé pendant plusieurs années en tant que président de la Ghana. 300 000 diaspora, bah, le mois, poto, bah, kena, la Ghana, bah, vanda, la parce qu'il a vu le pouvoir, Mboka évolué. Vous avez vu le Mboka Mindele, mais vous n'avez pas le Mindele. Ça, c'est la discrimination. Vous êtes raciste. Les racismes. Ça, c'est le racisme. Après, bien, on se plaint de que nous sommes des racistes. Nous ne sommes pas des racistes. Nous aimons tout le monde. Notre chère maman Cécile Kieng, elle est congolaise. Moi, la Mboka. Bandimi est ministre de l'immigration. Bandimi va rejeter. Et vous, Hein, mentalité, ce qu'il y a. En Europe, ici, il ne devait pas passer. Il peut pas Bango, la Bango, bah 100%, les 100%. Vous allez à Nakati, média, Bolinganité. Une seule personne, tu as trouble la communauté, mais tu as trouble. Qui tu aimes dans cette communauté-là? Olingos à la Yomoko, Bissot occupera Ote. Pourquoi il occupe Bissot? Madame, faut qu'elle refine à confrère Nayo. On dénigre confrère Nayo, on a zolé dans la télévision. On a lobby à Sali Chouan, et on a kené, à kené Nayo Kita, Congo. Et comme il problème là, yo Kita Congo, tu yo, au Kita Congo, tu Bakara, Bakara, la Congo. Madame, il faut se calmer. Depuis 3 ans, au Kita, tu madame, je pense que ça va te faire un faux débat. Kéba. Madame, pardon, parce que tout ça, on n'est pas venu attaquer. On n'est pas venu attaquer, on voulait venir répondre et pour finir avec, closer avec ces histoires. Sous-informés. Pas mal informés, ils sont sous-informés. Parce que pour tenir ce genre de propos, il n'en faut pas être davantage un universitaire. Pas du tout. Pour reconnaître le fait qui se passe dans le monde, tu n'es pas obligé d'être un universitaire. Madame Manolissa, je te dis, il y a des histoires qui sont basées sur tout. Il faut se documenter. On a besoin de s'expliquer à monter pour comprendre. Il faut expliquer les gens. Parce que tu vas voir sanaté, Allez vous renseigner. Nous avons le droit à ma belle, ma mère elle est congolaise du Kassai. Donc, ceux qui vont rejeter, puis ceux qui vont rejeter même ma soeur Nabino, ou ma botte à la Mindele. Mais quelle mentalité. Le président Mobutu, paix à son âme, qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque du Zaïre?
que tout enfant né au Zaïre est Zaïrois. C'est pas lui qui avait dit ça. Il faut être pas mal informé. Ils sont pas la mission aux hommes. Mais ça n'a droit à sol. Manolisa, Ezali Likambuya, Moté Mama B. C'est ça. Et ça, Moté Mama B. Eh bien, ça, c'est un racisme. Et ça complexe. C'est tout. Et ça complexe. C'est un complexe d'infériorité. C'est ça complexe, c'est simple, clair et net. Là, le débat est un peu chaud. En tout cas, je remercie encore Batou et Batota. Pourquoi moi, on a double blessé Nista, My Man, Mr. Kenny, Mr. CJ, Mr. Kim. Thank you guys for everything. Et puis, force tranquille dans Essex. Monsieur Nicolas, vous allez au Canada, tous les mauvais qui sont ici. Force tranquille, où est la mission de Batou, quoi. Dans Essex, Michel Namouana, merci encore beaucoup, quoi. Alors, Manolisa, tout ça, un peu moins. Tout aussi se close, hein, Likambango. Non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Tout close dossier, moi, parce que je ne voulais vraiment pas trop en parler, parce que les gens ont vraiment le dossier, moi, ma casse, non. Il fallait quand même s'expliquer, pas se justifier. Non. Mais c'est éclaircir. Tu éclaircis, en haut, ton lobby. On vient pas essayer de faire ça. Non, pas du tout. C'est juste. On en parle, non, madame. Il faut en parler. Pardon? Yes, okay. We are ready. Allô. Oui. Nazoba, vas-y. Ah, bon, là, Freddy, Motole. Oh, Freddy Motole. En tout cas, Nazoba, l'émission, n'a chopé ma cache, Madame F, en tout cas, Tosashi Marabino. Merci. Toko, Ben Peggy, dans la nuit, un message, et ça, il a plaisir à ma cache. Donc, Merci beaucoup Freddy Motole. Merci pour la contribution là yo. En tout cas, ouais, là toujours continuer toujours. Et puis Moutou, n'a pas loba avant de vision qui a évolué en français. C'était yo banana au final en français. Yo moro loba en français. Loba en anglais wana to yo ka yo. Après programme, oui, en tout cas, bon, changer l'ambassadeur de la paix à remplacer Bissorawa dans l'émission Kumbo Tosepela. Ma solo, il y a Kafou Kafia Mystique, en tout cas, bon, changer Sainte, ambassadeur de la paix Miblo, si c'est ma coup d'œil, alors après Bissorawa, c'est aussi si. Yeah, we are ready. Donc, next call. Allô, bonjour. Bonjour. Pas tous les Congolais. Ils ont un bateau, ils ont un message, ils ont un Congolais.
Bon, il y a banni. Merci, merci beaucoup. Merci, maman. L'appel, là, en tout cas. Non, c'est les garçons, c'est on n'est pas venu ici pour s'effacer. Ouais. Nous avons fait énerver mon émotion. Nous sommes des partisans de la non-violence. De la non-violence. Tout ça, voilà. Ouais, tout continue parce que là, lui, il y a comme un peu moins busy. En tout cas, donc là, quand on parlait, madame, je crois que les moyens de Bosson, la programme du soir, je ne crois pas que ça la dernière fois. Non, moi, je suis une force. Parce qu'il a dit que ça, vraiment, vous avez vraiment trop coupé. Moi, yes, mais arrêtez. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux passer? Oui. Vous avez déjà live, vas-y, tout ça, pardon. Bonjour. Ouais, dis-moi mon volume de la télévision sur le téléphone, please. Ben, nanana, posez question, non? Posez. Toujours, bah, yo. Allô, Biboy. Là, nous avons remercié madame F. Ouais. La émission la bande. Oui. Mais il y a battu Soussou, Namboka Oyo, Bazali, pour apprendre de l'autre côté. La coupe, ça, par exemple, l'exemple, il y a Chancelier Mindo à travailler avec la partie politique, il y a Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba, Azali, Congolais à 50%, toi à 100%. Voilà. Alors, Naïna, le babou et la maman, madame F, la coco, il faut passer l'attention, piquer Batou, pas dans la polémique. Jean-Pierre Mbemba, Azali, moi, la boca. Merci. Mais, Babouzo, on a pété, Babouzo a pris un peu, puisque tout le monde a été Sarkozy, il travaille pour la France, il donne toute son énergie pour la France. Mais Jean-Pierre Mbemba, Yango, Azali 50%, mais Babouzo, le Makamba, 50%. Moi, si on a le Makamba, 50%, Akendena, nous, et pas à Chancelier Mindo, tout n'a yé, tout qui a travaillé à l'État. Congolais à 50% ou bien pas congolais. Merci. Merci beaucoup pour la contribution. À part, il y a un petit exemple, il y a Sarkozy. Et ça, Sarkozy, il y a été plus haut, origine à Sarkozy. Tu as eu l'origine à Eza un peu moins, entre guillemets, quoi. Tout à la mobile, il y a Queen, le duc of Edinburgh, le prince Philippe, origine à Eza, origine à Eza. Même les mots Queen, origine à Eza, tout à l'Allemagne, tout. Donc, ça, la question, vous avez d'autres gens à cœur. Pour faire le mal au. Le duc, le duc Philippe Azali, à Outina Grèce. Aza grec, hein. Allô, bonjour, madame. Ouais. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame F. Nazolandabino. Merci. Eza et Kanga. Nazolandabino, vraiment, émission très, très, très importante. Ok. Naza fan, ya welcome TV, mais dans la émission, Nabino, vraiment, Eza qui toque au Makassi, collègue. Et puis, dans l'imagité que c'est dit, à vous pèse la versée biblique, mais à vous pèse à Ebi, quelque part, que le trouvant naïe, à place, à vous pèse l'enseignement. Normalement, à vous pèse l'enseignement. On a expliqué que Jean-Pierre Bemba a 50%, mais Chancelier Mido a parmi Bato Bazo représenté Awa. Vraiment, à ça, il remarque que c'est très important. Ce qui Bato Balandara, ou à l'obagin de Moana, Nazo Senna n'a dit que télévision est hier à Pona au Sololi, mais toi hier à Tepota, ton vide est rempli avec des publicités. C'est ça. Les gens qui racontent de n'importe quoi, on ne se connaît pas, toi hier à Nité, toi pour aller dans la télévision. Donc, télévision, OEO, et ça pour la voir, ça la comboté. Remercier vraiment à Solo. Vous êtes biqué vraiment masse dans les autres. C'est alors que Bato Bazan Anda, vous êtes garandé, Bato Logo Rabino, vous va faire Rabino ma contribution. Ce n'est pas qu'il y ait la télévision, tu racontes des bêtises avec des cartons vides remplis avec des publicités. Après 30 minutes, tu nous amènes des foutés pour parler de n'importe quoi. Et après l'émission, tu vas saisir quelque chose. Vraiment, merci à toi, nous sommes là. Ce qui est le baguette, c'est dans la zone ça concerne que moi et ma. Et le groupe que je suis en train de travailler avec eux. Donc, ce que je veux dire, tout n'a pas pourquoi. Alors, ça, la émission, c'est n'a pas tous les canaux, il y en a français, comme ça, au royaume en français, au royaume. Mais juste un petit rappel, pasteur bienvenu à Yébiango, que avant, nana na longwa qui na Welcome TV, mais na Yébi sa qui y est, avec sa publicité, Mokouana, Moutouma Azoloba, qui est, Moutoua Lobi, qui est n'a la Welcome français, Azoloba, qui est, la chaîne de la référence
Naï Moutona Yedisa qui pasteur bienvenue à Zanaza. L'ongo la publicité, on a passé français, on a bien été. Merci à Kanatika, on a fait partout, merci beaucoup. Et Jeanne, merci beaucoup pour la contribution à eux. Tous les autres, je ne peux pas nous comme nous sur la ligne. En tout cas, merci de la contribution à eux. Vraiment, droit au cœur. Okay. Merci. Merci vraiment beaucoup. Moutona Yokio déjà. Ok. Monsieur Céline, en tout cas, non, monsieur Céline. Ceux qui sont sponsors, ils ont 4 heures, ils allaient bien, mais c'est pas grave, une heure, c'est déjà. Donc en tout cas, je remercie tout le monde. Moi, vite fait, moi, deux, trois, pas juste. Une grande félicitation à Madame F. Vite fait, merci à toi aussi, Manolissa. Merci. Merci. Ok. Et Coco Harris, votre prouesse est digne d'un sportif de compétition. Thank you, see you next time. Bye bye. Bye.